Dès le début de ce troisième épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, Benjamin et Tania ont été sévèrement moqués et critiqués par les aventuriers de leur propre tribu jaune. En cause, leur manque d'investissement. Alors que les caractères commencent à se faire entendre dans ce troisième épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, le comportement de Benjamin et Tania, les deux juniors de l'aventure, 22 ans, fait jaser depuis la semaine dernière. Tous deux accusés d'être trop en retrait, ils se sont vus, ce mardi 7 février, reprocher leur manque d'investissement sur le camp jaune. Ils ne foutent rien. Benjamin et Tania ne sont pas les plus vaillants. Ils se croient sur un camp de vacances et sont assis à côté du feu, qui est presque éteint, râle ainsi une candidate en évoquant les Benjamins de l'édition. Koh-Lanta 2023, Tania et Benjamin très critiqués chez les jaunes, même son de cloche du côté de Grasse. La mère de famille, qui avait la semaine dernière alerté Tania sur son jeu dangereux en étant aussi proche de Rudy, aventurier rouge adverse, a ainsi comparé cette dernière et Benjamin à ses propres enfants. On dirait mes gamins. Benjamin, il lui manque son portable et un matelas. Les principaux visés, conscients d'être en position délicate, ont fini par se lever pour tenter de s'activer, un peu, en allant chercher de la nourriture. Koh-Lanta, le feu sacré, Tania dans le viseur des jaunes? Mais cela n'est-il pas déjà trop tard? La semaine passée, Rudy nous avait confié que Tania était effectivement venue le voir après une épreuve pour solliciter le talisman d'immunité en sa possession, juste après le jeu. Elle m'a dit qu'elle était clairement en danger. Je me suis dit, mince, c'est chaud pour elle. Je comprends que je peux la rallier indirectement à ma cause. Dans ma tête ça va vite, je garde précieusement l'information. La jeune diététicienne, venue de Seine-Saint-Denis, va donc devoir rapidement faire ses preuves, tant du côté social que sportif, pour ne pas risquer l'élimination au conseil, après celle de Célia puis demain, les deux doyens de la saison du feu sacré. À lire aussi pas vu à la télé. On n'a pas le droit de se parler mais... Rudy, Koh-Lanta 2023, révèle ce que lui a dit exactement Tania.